Tu vois ton téléphone, comme ça, là. Sont où les trucs du téléphone? Salut l'équipe, c'est Mikalash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement content de faire car on va tout simplement toucher à un sujet qui me tient énormément à cœur. Car aujourd'hui, on va piéger ce qu'on pourrait appeler un harceleur scolaire. Je vais vous expliquer simplement, vous allez voir, c'est très simple. Ce qui s'est passé il y a plusieurs semaines de ça, c'est qu'il y a un abonné qui m'a contacté sur les réseaux sociaux me disant se faire harceler déjà depuis plusieurs semaines par un autre élève plus grand que lui, bien évidemment, au lycée. Du coup, voilà, son message m'avait particulièrement touché. Du coup, j'étais parti à sa rencontre pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Donc voilà, bien évidemment, après, il m'a montré toutes les preuves. Il m'a expliqué les choses un petit peu plus en détail. Et il m'a montré qui était cette personne qui l'harcelait, le violentait, le racketait depuis déjà plusieurs semaines. Donc bon voilà, par souci de confidentialité et pour protéger l'abonné, on le montrera pas dans cette vidéo, on l'entendra pas non plus, histoire qu'il ait pas de problème ou de répercussions dans son lycée par la suite. Enfin bref, une fois que j'ai vu avec lui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement attendu à la sortie de l'école et on a suivi cette fameuse personne qui l'harcelait. À un moment, il s'est retrouvé tout seul dans un endroit plutôt isolé et c'est là où je suis intervenu et où j'ai fait la vidéo que vous allez voir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de likes en dessous de cette vidéo, comme vous le savez, c'est totalement gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les futures vidéos. Et aussi merci à tous ceux qui partageront cette vidéo afin qu'elle puisse toucher et sensibiliser un maximum de monde par rapport à ce sujet qui, à mon goût, n'est pas assez traité. Sur ce, c'était Mikalash et je vous laisse directement avec la séquence où je suis allé piéger l'harceleur. Salut frérot, excuse-moi de te déranger, ça va tranquille? T'es pas au lycée par hasard toi? Si? Ouais. Moi aussi j'y suis, mais je suis nouveau, tu vois, je suis arrivé. Mais... Non, c'est normal, je suis nouveau. Je suis arrivé cette semaine. En terminale. Arrête. Si. Moi aussi je suis en terminale. Ah ouais? Ah, je suis arrivé en cours d'année. T'as quel âge? J'ai 20 ans. C'est pas possible. Mais comment ça se passe? Tu fais beaucoup plus. Non, non, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans. C'est bizarre. De quoi c'est bizarre? Bah, je sais pas, on dirait que tu fais 25 ans. Du coup, non, je t'ai vu au lycée, c'était au lycée. Ouais, c'est ça, ouais, je suis à... Ouais, bah je sais pas, je t'ai vu, je me suis dit, vas-y, tranquille, on va taper la discute, tu vois, genre. Ouais, bah c'était nouveau ici, normal, moi je connais personne et tout, tu vois. Ouais, genre, Moi je viens de Lyon à la base. Ouais, c'est une trotte. Ouais. J'ai déménagé et tout, pour des problèmes familiaux et tout, enfin bref. Du coup, genre, je voulais te demander un petit truc, tu vois. Parce que si je viens de voir toi, c'est pour une raison bien particulière en fait. Ouais, genre, genre est-ce que tu connais un mec qui s'appelle Hugo. Non? Après, je connais pas trop les noms et tout, mais. C'est un petit genre en seconde, tu vois. Toujours bien habillé et tout, t'as vu? Et la dernière fois, je crois que je t'ai vu avec lui, tu vois. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible, je connais beaucoup de monde. Ouais? Ouais, c'est possible. Parce que genre, mais tu le connais ou pas? Ouais, je le connais un peu, sans plus. C'est un petit, genre, toujours bien habillé. Même. Genre, quand je t'ai vu, genre, je sais pas, t'étais en train de le pousser un peu, genre. La dernière fois, à la sortie. Ouais. Ouais, mais tu vois qui c'est ou pas? Bah, sûrement, ouais, je comprends. C'est le petit là, genre, ah, mais c'est sa montre, ça, non, même? Ouais, il m'a donné. Il m'a fait cadeau. Non, arrête, gros, je t'ai vu la dernière fois, genre, t'étais en train de lui prendre la montre et tout, frère. Mais non, il m'a dit, ouais, je te la donne et tout. C'est bon, t'inquiète, moi, je suis avec toi, gros, je m'en bats les couilles, moi. Bah, Je suis comme toi, frère. Ah, attends, si tu. Mais pourquoi je viens te voir, frère, à ton avis? C'est pour. Ah, tu commences. C'est sa montre, ça. Ouais, c'est sa montre, gros, je t'ai vu la dernière fois. Et commence pas, tu commences à monter en pression et tout. Je sais pas, normal, le mec vient, il pose des questions bizarres, j'ai pas tout avoué d'un coup. Là, tranquille. Ok, moi je suis de ton côté, tu vois. Ouais, genre, je suis avec toi. Genre, même si. Tu as appris des trucs, mon petit? Non, pas encore, moi je t'ai dit, je suis nouveau, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la galère et tout, faut que je m'en sorte, tu vois. Moi j'ai. Tu vois, j'ai des bails à faire et tout, genre, je t'ai vu, genre, tu t'en étais plutôt bien sorti, franchement. Ouais, toujours, une montre, des chaussures. Ouais, des sous tout le temps sur lui. Mais tout le temps il revient et tout le temps il a encore des sous. Ouais. Du coup, moi je profite, hein. Ah, c'est un bon ce bout. C'est mon revenu, on va dire. Ouais, non, tranquille, t'as raison. Hein, t'as. Après, tu me vois pas mon plan sous, hein. Tu vas prendre un autre bout, tu veux. Ouais, non, t'inquiète, t'as jamais eu de problème ou quoi à cause de. Jamais, jamais. On va dire que vu que t'as eu, je suis en terminale, lui en seconde, tu vois, il a un peu peur, tu vois. Ah, ouais. Genre, il se dit, tiens, je peux aller chercher les embrouilles. Jamais il a essayé de se rebeller ou quoi? Jamais, jamais. C'était une fois il a essayé, j'ai mis une petite baffe pour lui faire comprendre. Ah ouais? Tu dois pas, tu vois. Ouais, putain, t'as raison. Si on profite, t'as vu, on est plus grand, on profite des plus petits. Hein. Ouais, carrément, gros. Mais moi, dans mon ancien lycée, j'ai fait des dingueries, frère. Ouais. C'était tous les jours, gros. C'était des même, j'allais dans les écoles maternelles. je rigole, frère, je rigole, t'inquiète. Non, franchement, je te cache pas, moi j'en ai repéré quelques-uns déjà, tu vois. Ouais, mais c'est plein là-bas. Hein. Ouais, y en a plein là-bas. Hein. Ce qu'il faut, c'est viser ceux qui n'ont pas trop de famille, tu vois. C'est ça, genre ceux que tu sais qu'ils sont tout seuls, qu'ils n'ont pas de grands frères. Voilà, les grands frères, les cousins. Ça, c'est. Les embrouilles, ça, ils viennent et. Voilà, ils sont plus grands. C'est les défauts, t'as les nerfs et tout. Ouais, voilà. Tu prends un chien, tu lui fous la misère, t'es détendu. Ouais, ça fait du bien, ça. Et moi, je fais ça aussi, après, je prends tout. Ouais. Non, ça c'est le bonus, on va dire. Je prends pas tout d'un coup parce que sinon après c'est trop cramé, tu vois. Ouais, non, fois je laisse une semaine, deux semaines, j'attends qu'ils voient ce qui se rachète et puis je reprends.
Ah, t'as raison, gros, t'as raison. Si tu prends d'un coup, c'est suspect. C'est bizarre que tu m'aies vu parce que je fais ça à l'écart normalement. Non, mais moi je t'ai vu dans le lycée, après je t'ai un peu. Enfin, je t'ai pas suivi. Et tu vois, parce que j'ai pris, je dis, ah, ce soir tu viens et tout seul. Ouais, tu le fais marcher à la pression, Voilà, quoi. c'est ça, genre, je viens dehors à cette heure-ci, si t'es pas là, demain sera pire et tout. Ah, c'est comme ça qu'il faut les éduquer, gros. Il faut. Ouais, faut jouer. Sur la pression, l'harcèlement psychologique, il faut vraiment jouer si tu veux. Ah, tu le connais, frère! Tu Oh, frère, tu calme-toi, connais, frère, qu'est-ce que tu fais là? calme-toi, arrête de me Reste frapper tranquille, là! gros. Après, tu me frappes, tu me fais Je crois que je peur! rigole. Avec toi? De quoi? C'est qui je suis, moi? De qui? Tu sais qui c'est, Hugo? Ah ouais, c'est le petit spoon qu'on va raqueter là! Hugo, c'est mon petit frère. Frère. Qu'est-ce que tu dis? Hugo, c'est mon petit frère, gros. On doit pas parler du même Hugo alors, hein? Non, 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 je te parle d'Hugo là, à qui t'as volé la montre. C'est mon petit frère, tu comprends? Là, je rigole avec toi depuis tout à l'heure, je me fous de ta gueule, gros. Oh, t'es un malade mental dans ta tête. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Ne touche pas, ne me touche pas, Attends, gros. attends, attends, t'es sûr qu'on parle du même Hugo là? Oh, bien sûr qu'on parle du même Hugo. Il n'y a pas 36 000 monde comme ça, il n'y a pas 36 000 Hugo dans le lycée, gros. Commence pas à te foutre de ma gueule, je sais pas quoi là. Gros, déjà, t'as quel âge pour commencer? Moi j'ai 18 ans. T'as 18 ans? Il a quel âge, Hugo, à ton avis? Je sais pas, 15, 16 ans. T'es en terminale, il est en seconde, gros. Tu t'en prends à des plus jeunes que toi, tu leur mets la misère, tu leur fais du harcèlement psychologique. Oh, t'imagines, gros, quand ils vont à l'école tous les jours. Tous les jours, tu leur ruines leur vie. Tu fous en l'air leur vie, gros. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu leur laisses. Des traces psychologiques, gros. T'as pas honte de faire ça? Pourquoi? Pour voler 2-3 trucs pour une montre? Pour une montre, tu fous des vies en l'air. Commence pas à te foutre de ma gueule, gros. D'accord? Je suis en train de te parler sérieusement, là, tu vois. Tu veux que je mette contre Contre-toi. Non, surtout pas, t'es plus vieux et tout, laisse tomber. Non, non. Ah non, y a pas de plus vieux, je sais pas quoi. Là, je viens pas te voir gratuitement, tu vois. Je viens te voir parce que tu t'attaques à des plus jeunes que toi. Donc là, je te montre un petit peu ce que ça fait, tu vois. Moi, je m'attaque. Jamais à des plus jeunes ou quoi. C'est minable de faire ça, tu vois. T'es minable, t'es un minable, mec. Je te le dis. T'es un minable. C'est du passé, je le ferai plus. Non, c'est pas du passé. Bien sûr que tu le feras plus, gros. Encore heureux que tu le feras plus. Tu crois vraiment que tu vas continuer à faire ça? Maintenant, moi, je vais surveiller un petit peu. Je vais essayer d'avoir des échos, etc. On va voir, d'accord? Hugo, tu l'approches plus. Tu lui parles plus. Tu vas lui rendre tout ce que tu lui as appris. D'accord? Non, 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 tu vas lui rendre tout ce que tu lui as appris. D'accord? Tout ce que tu lui as appris depuis le début. Tu vas aller voir. Tu vas aller t'excuser devant tout le monde. Ok? Vas-y, ouais. Passe la montre. Déjà, ça, on va lui rendre correctement. Bon, maintenant, on va On va faire un petit truc, tu vois. Là, je suis sympa avec toi, tu vois. Ah, mais c'est bon, là, je t'ai rendu la montre. Quand je vois, je m'excuse. C'est bon, je m'en vais, moi. Bon, là, maintenant, quand on va faire un truc. Passe-moi ton téléphone, 2 minutes. Tu vas faire quoi avec? Je vais pas te le voler, t'inquiète. Je suis pas un voleur. Je suis pas comme toi, gros. Je suis pas un voleur, je suis pas un mec qui profite et tout. Juste passe-moi ton téléphone. Je t'ai rendu la montre et tout. Passe-moi juste ton téléphone, 2 minutes. Je vais pas te le voler. Je vais pas te le voler, je te le rends. Tu vas faire quoi avec? Je te le rends ton téléphone. Regarde, voilà. Tu vois ton téléphone. Comme ça. Là. Oh! Mon téléphone! Reste assis, reste assis, reste assis, reste assis. Reste assis, gros. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Reste là, regarde, bouge pas. Regarde, regarde, tu vois là? Voilà ton téléphone, gros. Regarde, gros, t'as vu le téléphone? Oui. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Tu m'as éclaté là. Alors, je vais t'expliquer, gros. Moi, j'ai fait ça pour que tu comprennes ce que ça fait, tu vois? Ce que ça fait, est-ce que tu ressens un petit peu ce que ça fait? T'imagines ce que t'as. Fusil à Hugo tous les jours, c'est ça en 1000 fois pire tous les jours. J'ai compris, j'ai Tous les jours. Donc, moi, regarde, je vais t'expliquer un truc maintenant. Je vais pas être méchant avec toi, je vais pas te mettre la misère ou quoi que ce soit, je vais rester correct, tu vois. Écoute, on va faire un truc, on va en rester là tous les deux pour aujourd'hui. Lundi, tu vas aller voir Hugo au lycée et tu vas aller t'excuser. Et quand tu vas aller le voir pour t'excuser, lui, il va te passer les sous pour rembourser ton téléphone, tu vois. Je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un de méchant. Ton téléphone, je vais te le rembourser. À condition. À unique condition que tu ailles voir Hugo et que tu ailles t'excuser. Ouais. Ah, tu t'excuses, il passe les sous, tu fais plus jamais ça sur lui ou sur qui que ce soit, et même si tu vois la prochaine fois quelqu'un à qui ça arrive, tu iras le défendre, d'accord? Ok. Moi je suis pas loin. Gros, hein, j'habite ici moi. J'habite ici gros. Ok. Donc le téléphone, voilà, il va être remboursé, t'inquiète, y'a pas de soucis, je suis pas quelqu'un, je suis pas un tu vois, mais c'est fini tous ces trucs. Ok. C'est bon, je fais plus jamais ça, je vais m'excuser. T'as raison, ça sert à rien. Vas-y, c'est bon, maintenant tu peux y aller, tu vois. Vas-y, on sort la main. Et c'est fini tout ça, d'accord? Non, non, là, qu'est-ce que tu fais? Je suis un bouffon. Comment ça, Charles? Tu racontes quoi? Vas-y, c'est bon. Rentre chez toi et. C'est bon. J'espère que t'as compris, hein. Putain, c'est abusé ça. Il a volé de partout son téléphone là. Oh, ça vaut quoi ça? Ça vaut 200, 250 euros. C'est un téléphone là. Où sont les trucs du téléphone là? Ah!